Au sens littéral, le mot chakra signifie « roue » ou « disque » en sanskrit. Dans la médecine ayurvédique indienne, le chakra désigne des centres spirituels ou des points d'énergie répartis sur tout le corps humain. Il y en a des milliers au total, mais les sept principaux chakras sont placés le long de la colonne vertébrale. Ils sont souvent mentionnés dans les thèmes concernant le bien-être et la spiritualité. Ce sont des points invisibles et intouchables, pourtant, ils garantissent l'équilibre tant physique que psychique de tout être humain. Les effets du chakra sur le corps. Le corps humain fonctionne grâce à l'énergie qui circule à travers les chakras. On y retrouve également les cinq éléments agissant avec eux, l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther. Pour avoir une bonne santé physique et psychique, il est nécessaire d'établir un équilibre entre ces éléments et la circulation de l'énergie. Un déséquilibre entraîne donc des effets néfastes pour la santé. Dans ce cas, il faudra recourir à un accompagnement pour rétablir l'équilibre naturel, et l'autorégulation du corps entre ces différents éléments. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code promo NUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Les chakras du bas. Les sept principaux chakras forment une colonne argentée lumineuse, débutant à la base de la colonne vertébrale, et finissant au sommet de la tête. Chaque chakra est associé à une couleur, un élément et un organe. Il existe trois chakras du bas, qui sont plus près de la vibration terrestre. Le chakra racine ou Mooladhara se situe au niveau du sacrum. Il est relié aux jambes, au bassin et à la circulation sanguine. Quand il est bien harmonisé, il procure un sentiment de sécurité. Il est associé à la couleur rouge et à la terre. Le second chakra est appelé chakra sacré ou Svadhisthana. Il se trouve au niveau du bas-ventre sous le nombril. Celui-ci concerne les organes génitaux et l'énergie sexuelle. Il est représenté par la couleur orange, et par l'eau comme élément. Le chakra du plexus solaire ou Manipura est le troisième chakra. Comme son nom l'indique, il se localise au niveau du plexus solaire. Comme il est relié à l'estomac, il nous permet de bien assimiler tout ce qui provient de l'extérieur, et d'avoir plus de confiance en soi. L'élément feu et la couleur jaune sont associés à ce chakra. Les chakras du haut. Le chakra central relie ceux du bas et du haut. C'est le chakra du cœur ou Anahata. Quant aux organes, celui-ci se relie au cœur et aux poumons. C'est donc le chakra de l'amour, pour soi et les autres. Quand il est bloqué, on peut ressentir une baisse d'estime pour soi-même, et aussi se sentir perdu. On associe la couleur verte et l'élément air à ce chakra. Plus en harmonie avec les énergies cosmiques, les chakras du haut sont au nombre de trois. Tout d'abord, il y a le chakra de la gorge ou Vishuddha, situé au niveau de celle-ci. Elle est connue comme le chakra de la création et de l'expression, et permet d'exprimer l'envie de vivre, d'entamer un projet, ou encore de chanter. Il est assimilé à la couleur bleu cyan et à l'élément éther. On a ensuite le chakra du troisième œil ou Ajna, qui est placé entre les deux sourcils. Il incarne la clairvoyance et la vision, l'imagination. Quand il est fermé, le sujet agit avec peur dans tout ce qu'il entreprend. Le bleu indigo est affilié à ce sixième chakra, puisqu'il évoque la voûte céleste. Enfin, le chakra couronne ou Sahasrara est considéré comme le chakra suprême. Il est localisé au sommet de la tête. Il est relié à l'énergie de l'univers et du divin. C'est le chakra de la spiritualité, qui permet de trouver la paix et l'harmonie avec les esprits de la nature. On l'associe au violet ou au blanc. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.